premier rang, vous êtes au courant, hein, ça va chez les places à l'avance. On va commencer par les deux chauves du premier rang. Vous êtes amis, vous êtes venus ensemble. C'est beau frère. Même crâne, hein. Une paire de couilles au premier rang. Les couilles de Chambéry, elles sont là. Comment tu t'appelles? Olive. Olive. Olivier. Olive, il n'y a pas de vieille. Olive. Elles disent vraiment Olive. Il y a un yé quelque part. Ils auraient été dire yé tes parents parce qu'ils sont vieux, mais il y avait c'est Olive. Olive, et lui. Tom. Olive et Tom. Les beaux frères, deux PD. Voilà. Non, vraiment. Non, c'est... non, le vrai prénom. Tom. Non, vous prenez pour un con. Olive et quoi? Fabrice, Julien, Christophe, Serge. Alors lui, il fallait dire Jeanne. Jeanne et Serge. Ça va? Vos frères, vous avez... vos femmes sont sœurs. Ouais. C'est ça. Elles sont derrière. Celles qui ont acheté les places, elles vous ont mis devant. Ouais. On a choisi d'accord. Vous avez choisi de devant. Bien sûr. Elles sont madame Olivier Serge. Elles se régalent. Elles sont comme ça que des jumelles. Ils sont prêts. Pour une fois, c'est eux qui se font niquer. Hein. C'est le mal à la technique, il n'a rien compris là. Comme ça. Comment tu t'appelles? Laurent. Laurent? Tu n'es même pas arabe. T'as une tête d'arabe. Hein. Regarde dans ton quartier, c'est pas un mec qui s'appelle Aziz, c'est lui ton prépère. Laurent? Ouais. T'es quoi, t'es réunionnais? Non, français. Français? Gitan. Gitan. Ah, voilà, elle a balancé. Gitan? T'es venu en caravane, tout ça? Ça fait plaisir? C'est pas trop stable pour toi ici? Et le parking, à un moment, il va falloir le quitter. Hein. Le spectacle est fini. Tu récupères tous les Gypsy Kings et vous vous cassez. On va passer un bon moment, les amis. On va passer. Elle est la femme de Laurent. C'est vous, madame? Comment vous appelez? Ophélie. Ophélie? Ah ouais, c'est vraiment. Vous n'êtes pas gitane? Non. Non. Et comment vous êtes retrouvée avec. Kenji Giclad. La version grosse de Kenji, voilà. Vous êtes rencontrés comment? À une braderie. Une braderie? Il est en train de te vendre un truc qu'il avait volé. Oh, c'est la première fois, un coup de foudre à une braderie. Combien la lampe de chevet? Ça s'est passé comme ça? Non, pas du tout. Mais comment vous êtes rencontrés? Comme ça. Mais la braderie. La braderie d'où? Chambéry. De Chambéry. Vous la connaissez cette braderie? Il ben, y en a qui arrivent à tomber amoureux dans cette braderie. Pour te dire que c'est triste. C'est pour ça. Coup de foudre à la... Il y avait coup de foudre à Mottingen, mais coup de foudre à la braderie de Chambéry, c'est magnifique. Et t'as fait quoi comme technique, Laurent? Aucune. Aucune? MSN à l'époque. MSN? Ah oui. Vous vous rappelez de MSN? Tu reçois un message. T'as l'écran, il avait sonné, tu réveillais tout le monde dans la famille. Il t'envoyait quoi? Salut, ça va? Non, non, mais on s'était vu. Vous êtes vu, après vous avez échangé les MSN. Après vous êtes en échangé les MST. Mais c'est l'ordre des choses. Marié? Et t'es en dispute avec Laurent? Pourquoi il y a un mec entre vous? C'est ton frère? Ok, super. Comment vous appelez, madame? Ça va, Christelle? Et pourquoi vous n'êtes pas à côté de votre mari, Christelle? Tu le vois tous les jours? Je crois que ta femme, elle en a marre de toi.